Bon. Non, j'avoue, j'ai trop envie de débloquer des trucs. J'ai beaucoup trop envie de débloquer des trucs. Mais ouais, faut qu'on se fasse une soirée dessus. Hein. Un morceau de soirée en tout cas sur Théâtrine en multi. Bon, la dernière fois, du coup, on avait débloqué FF3. Ah, et pour le coup, pour une fois, j'ai pas trop joué. Pas trop. Parce que je me suis dit, on arrive aux 100 000 points. Est-ce que ça débloque un truc d'y arriver? Donc, dans le doute, j'ai pas trop joué pour pas les dépasser. Ben, je crois qu'on a fini le dernier live, j'étais à 93 000 points. Et là, je suis à 99 000, je crois. Du coup. Mais ouais, faut qu'on se fasse une soirée. Hein. Petite soirée multi sur Théâtrine, mais ça va être cool. Faut juste que je vois comment je vais gérer le branchement. Mais ça va le faire. Bon, faut que je me mette dedans. Qu'est-ce que j'adore cette musique. Qu'est-ce que j'adore. Tu vas être petit. Ah, Eternal Wind. Bon bah du coup, on dépasse les 5 000 points. Hein. Ça change d'ambiance. Ah oui, c'est sûr que ça change d'ambiance par rapport au début de soirée. C'est sûr. Exploit, 100 000 points obtenus. Bon bah ça fait pas grand chose de spécial de dépasser 100 000 points du coup, hein, voilà, vous le saurez. Tu vas bien voir le nuage des terreurs pour te remettre dans l'ambiance. Oui, bah oui. Mais après, il y a plein de musiques de FF3 qui sont trop bien. Parce que j'en ai déjà croisé quelques-unes dans le mode random. Et on a Galuf qui nous dit j'ai la barre. Très bien. Galuf, si je veux dire.
vais pas spécialement savoir, hein. Je vis très bien sans savoir que Sid est là-bas. Hein. Sursauter comme un débile sur Xenoverse 2. J'ai fait un raid co-op, j'ai entendu parler en espagnol dans ma manette, j'ai badé. Ah mon dieu! Il a une manette qui lui parle espagnol! Très bien. Genre le truc que tu pensais pas pouvoir dire un jour. Ah, celle-là! Ah, celle-là, je l'avais réussi en tout critique. Dans le mode random. Ce sera pas un tout critique. Bon, qu'est-ce qu'on avait derrière? Je crois que c'est une musique que je suis pas très très fan de mémoire. En expert. Ah oui, en expert, oui, ça va. Oui, je t'en mets autant en expert, c'est chiant, hein. Oui, non, expert, ça va. Ça va, on va la faire.
Oh, la petite Aranea. J'aime tellement ce perso. Ça passe tout seul. L'expert, ça passe tout seul, ça. C'est au-dessus, hein. Ça passe pas du tout. Bon, puis il faudra qu'on voit... Je pense que je proposerai semaine prochaine... Hein. On se continue notre nouveau donjon sans fond. Ah oui, oh oui. Petit donjon sans fond là, il va falloir qu'on continue un petit peu là. Ah, sans récupérer de PV. Je sais pas s'il y a des souvenirs dans le groupe là. Je pense pas. Putain, n'empêche, j'étais tout content hier en disant ouais, on va finir Project Zero, tout ça, tout ça. Ça fera au moins un jeu qui est fini, du coup je vais pouvoir terminer genre Asterigos derrière, etc. Ah, c'est-à-dire qu'on a toujours pas fini. C'est quoi ces jeux qui te débloquent plein de trucs quand t'as fini et que du coup t'as pas fini? C'est vrai que bon, j'ai peut-être un petit peu abusé, commencé plein de jeux. Puis il va falloir qu'on retourne sur Conan. Hein. Qu'on la finisse cette map à la con là, qu'on a laissé depuis longtemps là. Que je me remette sur Minecraft aussi, parce que j'ai toujours pas fini mes trucs, moi. Alors j'ai vu que t'as marqué un truc, Blue, mais je regarde juste après, parce que c'est compliqué de lire le chat.
Je vais avoir des heures à récupérer, donc je vais probablement pas aller jusqu'au bout de la semaine de travail, donc je devrais être libre pour farmer au pire un peu. C'est qu'on joue à ça, ouais, ça fait un bail que j'ai pas été sur Minecraft. Ouais, bah pareil, j'y suis retourné, bah, quand je suis rentré, j'y suis retourné parce que je devais régler les trucs sur le serveur. Mais c'est que depuis que j'ai pas, depuis j'ai pas rejoué en fait. Pas retourner, il va falloir que je termine mon village. Mais j'avoue que j'ai un peu moins envie de jouer à Minecraft ces temps-ci. Bon, nouvelle clé. Ah, Xand. J'ai juste modifié l'adresse. C'est déjà pas mal. Mais ouais, en fait, d'un côté, j'avais très envie de relancer Conan, hein, clairement, pour finir ce qu'on avait commencé. Mais en fait, j'ai surtout envie de découvrir la nouvelle map, enfin la nouvelle. La deuxième map qu'on a toujours pas commencé. Mais ouais, faut qu'on finisse. Surtout qu'il nous manquait. Il nous manquait que dalle à faire, quoi. Oh, c'est. Hein? J'ai même pas regardé ce que c'était la quête d'ailleurs. J'avoue que ça fait quelques temps là, je commence à regarder un petit peu quels pourront être les prochains jeux survie bac à sable que je pourrais lancer. Parce que vous le savez, j'adore ces jeux. Ah, c'était faire 8500 de dégâts, on a fait combien? 3900, on est très loin. Et en vrai, j'ai quelques noms en tête. Hein. Déjà, avant de partir en vacances, j'avais deux jeux en tête. Et il se pourrait que là, depuis quelques jours, j'ai deux jeux de plus en tête. Ça va être terrible. L'avantage, c'est qu'il y en a. En fait, sur les quatre, du coup, c'est des jeux de survie, bac à sable, tout ça. Mais avec un petit scénar en plus à suivre et tout, donc je me dis, ça peut être sympa. Ça change un peu de juste. Juste construction à la Minecraft, quoi. Thank you.
Ah, c'était pour un skin de Mog, fallait battre Garuda. Ouais, bon, avec une meilleure équipe, ça se fera. Avec une équipe un peu plus pexée, en faisant attention un peu plus aux compétences, et en jouant mieux. Alors ça va être grosse musique, grosse ambiance, on va s'enjailler. Cette musique, j'adore. Mais c'était pas ironique, hein. J'adore. Qu'est-ce que j'adore ce thème. Tellement content qu'il est repris dans le 14. Bon, c'est quoi la suite? Musique du vaisseau de FF3.
Full crit? Non. À pas grand chose, mais non. Non, mais des full crit, pour l'instant, j'en ai fait quelques-unes, je pense. Hein. Je crois que je dois être 4 ou 5 par là, je dirais. On va garder ça là pour après. Ça va être Crystal Toda. Mais après. Oh, j'ai entendu un truc. Après. Garde les meilleurs pour la fin. J'ai fait un super. Je suis deg. On était à un du tout critique. En un seul mot. Tout critique. Si vous saviez le nombre de chansons que j'ai en un, où je suis à une note du tout critique. Je suis deg. Le tout critique, exactement. Bon. Non. Celle-là. Zélien me fiche moitié moins de dégâts? J'ai pas fait gaffe. Je crois que c'était un truc comme ça. Un super. Évidemment un behemoth. Bon ça, deux super.
Mais ouais, le nombre de musiques que j'ai déjà à un super d'avoir l'autocritique, et genre, ça où j'en ai genre 2-3 notes du truc critique, j'en ai masse. J'en ai méga masse. Bah du coup c'est quoi la dernière, la suivante? Celle-là. Ça fait bizarre de les entendre sous cette version-là. Quand on est plus habitué à les entendre en version FF14. Super. On a eu la quête sur la dernière note. On a eu pile poil le nombre de dégâts sur la dernière note. On a fait 1257. Il fallait que je fasse combien? Ouh, le CG de Ace. Il fallait faire 1250. On a fait 1257. C'était large! On était très large! Et enfin, la dernière. Ah non, mais c'était très très large en termes de points là. J'ai même pas eu une goutte de sueur. Même pas une. J'en ai au moins raté deux, du coup ça va. Pas de regret.
Je crois qu'on va même pas arriver à Nuage des Ténèbres. Même pas arriver à elle. Très bien. Bon bah ça fait une série terminée. Série terminée, mais il y a des musiques dans le DX. J'imagine qu'on va débloquer une cinématique aussi. J'espère. Putain, mais il y avait tellement 36 autres chansons à mettre. Pourquoi on mettait celle-là, quoi? Ah, on a Nuages des Ténèbres en perso jouable. Sans déconner, pourquoi vous avez mis celle-là? Il y avait Eternal Wind. Il y avait les trois de la Tour de Cristal. Il y avait tellement de choix, pourquoi avoir mis ça? Secours, quoi. Bon, du coup, déjà, la musique vers dispo dans l'édition de Deluxe. Ah, j'ai fait un super. De Dieu. Ah, c'est bon, Chibi, il me fait marrer. Ouais, je trouve ridicule, c'est pour Chibi.
Pardon, les mesures incroyables qu'ils mettent dans les 30 balles à dépenser en plus, quoi. Ouais. On est d'accord. J'étais à 1 super, encore une fois. Lui qui tire la gueule à H24, et là il est tout heureux. Ah bah voilà! La tour de cristal, je l'ai fait en tout critique. C'est ce que je disais. Bon, bah le super thème de la déesse de l'eau. Il y avait 36 musiques autres à mettre. Pourquoi vous avez mis celle-là sans deck? Ah. Bah mute. Xande. Les nuages des ténèbres. Vous et cette musique vous a forcément donné envie de jouer FF3. Hein. Je comprends pas comment il pourrait en être autrement. Donc voilà pour FF3. Bon, on débloque lequel? Oh, j'avoue, on se débloquerait pas, genre un truc genre FF8 ou FF9. Comme ça, on fait un vieux, un récent, un vieux, un récent, un vieux, un récent. Enfin, un récent. Un 2D, 3D, 2D, 3D. Allez, va pour FF9. Et 4 nouveaux persos. Preuve, vous voyez que j'ai pas beaucoup joué. C'est que j'ai pas fini de pexer l'équipe qu'on avait fait au dernier live. C'est la preuve, hein, je suis désolé. Zidane dans l'équipe. Oh, je l'ai rien mis. Du coup, on a dit Zidane. Bon, on va remplacer Tilus pour l'instant. Tu, 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 tu.
Qu'est-ce que j'adore les musiques de FF9. C'est pas un de mes FF favoris. Je suis pas grand fan de l'univers, mais j'aime beaucoup la DA et les musiques. T'es sérieux que j'ai fait le super juste sur la dernière note? Je le vis très bien. C'est bien ce quoi ce nom? Je pense toujours à la mère de Skinner dans Les Simpsons qui engueule son fils. Ah, j'avoue. J'avoue. Bien vu. Ah, j'adore ce thème. C'est quoi la quête? Réussissez avec Vivi dans l'équipe. Vas-y. Il m'empêche de pexer mes persos. J'adore le thème de Vivi. Puis au moins, FF9, ça va vous permettre d'entendre des musiques qu'on connaît dans FF14. Au moins deux. Parce qu'il y en a au moins deux sur lesquels je suis tombé que je sais qu'ils ont été repris. Enfin, il y en a une, on l'a entendu dans FF14, et une, je sais qu'elle a été reprise, même si je suis jamais allé là où elle est. Super. 2. Un de plus.
Bon, c'est quoi la suite? Fais-moi rêver. Ah bah, celle-là. Qu'on a retrouvée dans FF14. Pang 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 pang. Qu'est-ce que j'adore cette chanson. Oui. Et on l'a tué sur la limite. Hein. Bon. Ça restera plus qu'à voir la seconde que je sais qui est dans FF14. Mais même si, comme j'ai dit, je ne suis jamais allé là où elle est. Pas celle-là du coup. %60 ou plus de critiques arc-en-ciel. The Shining Critique. Je vais faire une confidence, je me souviens plus du tout de cette chanson dans FF9. Ah si! Ce passage, je me souviens. Thank you.
Ok, quête accomplie. Oh, le CJ de Yuna. De 1900 dégâts ou plus. Quoi va. Donc la musique des combats, que j'aimais bien, ouais. Que je trouvais plutôt cool. Invocation inflige moitié moins de dégâts. Okay. Ce petit but du but du en fond. C'est la seule musique que je me rappelle, celle-là. Ça date quand j'étais chez un pote. Oui. Ah, je l'aimais bien, cette musique de combat, elle était cool. Voilà. Ce chiffre de points de tour, enfin ce nombre de points de tour. J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Clairement. Et bon, qu'est-ce qu'on a ensuite? Une clé. Oh. Thème de la map. J'aimais bien. J'aime bien l'ambiance que ça donnait sur la map. Thank you.
C'est une ambiance tellement chill. J'adore. Je pensais pas que je le tuerais. Je pensais clairement pas l'avoir. Vu que les trois quarts des attaques qu'on lui faisait, il était résistant. Bon, attendant, la quête s'est faite. On a un chiot belge. Et c'est pas un chiot belge, attention. Quand il aboie, ça fait pas 8. Du coup... Celle-là. Si je dis pas de bêtises, cette musique-là a été reprise pour le Crystalline Conflict de FF14. On a déjà fait la quête ? J'ai même pas regardé ce que c'était. J'adore cette musique aussi. Quand je dis les musiques de FF9, vraiment, je trouve qu'elles sont vraiment très 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 cool. Ah, c'était 20, 16, 6 ennemis ou plus. Ça va pas. Je pense que le petit bonus plus de dégâts y est pour quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais. Pas fou. Pas fou, celle-là. C'était Ifa, je crois que ça s'appelait. Ouais, Ifa. Ouais.
Je crois que j'ai fait un super au milieu. Maintenant c'est sûr. Pas fan de celle-là. J'ai beaucoup aimé les musiques de FF9, ça va pas une de mes préférées. Par contre, il y en a une, je me demande si elle va y être. Parce qu'en faisant les musiques aléatoires, je suis très peu tombé sur les musiques de FF9. J'ai eu quelques-unes, mais il y en a une, je me demande si elle y est. J'espère qu'elle y est, surtout en fait. Qui est pour moi la meilleure musique de FF9. Oh, en expert. Celle-là est très, très jolie aussi. J'aime beaucoup. Roses of May. J'adore. Elle est pas évidente en expert, mais elle est cool. Elle est vraiment cool à jouer. Ah, on a un Tidus level 99, j'avais pas fait attention. On va pouvoir le remplacer. Tap 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 tap. Remplacement. Alors qui on met? Putain, on va être nuage des ténèbres. Thank you.
Et on va changer de vaisseau aussi. Bon, on le fera après. C'est quoi? Au moins 60% de PV max. Très bien. Très bien, très bien. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on fera que deux séries. Non, c'est pas très grave. Ça nous en laissera pour les prochaines fois. Ouah, il a l'air perché, Seymour. Il avait l'air perché en début de combat. Vas-y, j'ai fait un super. Lequel j'en vois deux? De quoi? C'est Bourg qui était perché? Oh, Tarasque. C'est Bourg tout court. Ah, j'ai pas fait attention en vrai. Oh, parce que c'est compliqué de regarder ce qui se passe à l'écran en dehors des notes quand tu joues, du coup. Oh. Il y a un cheveu gris et un cheveu bleu. D'accord. Très bien. Bon, c'était taper une faiblesse à l'ennemi. C'est beau, bras de la magie. Resserre.
Ça va les attaques spéciales là? Faites plaisir. C'est peut-être pas si bon celui au chevrier, mais il ressemble. Devant là? Ah non, devant, si c'est. Non, non, c'est pas si bon, c'est. Nuage des ténèbres. De FF3. Le grand méchant de FF3. Pas le grand méchant. Grand méchant quoi. Boss de fin en tout cas. Oh, nice. Sans récupérer de PV, on a un mog en chemise verte. Et techniquement, avec celle-là, on devrait faire pexer le chevalier oignon. Et on va pouvoir mettre un nouveau perso dans le groupe. Ce sera l'occasion aussi de changer de vaisseau un peu. J'ai pas regardé la quête. Comme d'hab. Ah oui, pas de régène, c'est vrai. Merci. Donc j'avais regardé, mais et en plus je l'ai dit, pas de régène. Mais bon, c'est le problème des poissons rouges, tout ça, tout ça. C'est de mettre bien du coup les mobs qui empoisonnent et tout. Bon là ça va, justice aveugle. Oh, Spiritus. Et un mog en chemise verte. Waouh. Le mog en grenouillère. Le style. Bon, il y avait quoi derrière? 100 compétences de type feu. Ouais, je suis pas fan de la musique. Bon, on va faire Jekt. Oui, alors pas de feu, on a dit.
On va faire un tour en régalia, tiens. Donc le boss sans feu. Et bah c'est parti, hein. Alors autant le thème principal de FF9, j'adore, mais cette version-là... Bon... Check ton régalia, bah oui. Pas le problème. Pas sûr qu'on arrive au boss. Hein. C'est même sûr qu'on y arrive pas. Logique pour une star du Blitz. Ah bah oui, star du Blitz arrive en Regalia, c'est le minimum. Hein. C'est clairement le minimum. Et on était à un super. Encore et toujours. Celle-là. C'est celle-là la musique que j'espérais qu'elle y soit. Qui pour moi est la musique de FF9. Cette musique, mais cette musique. J'adore cette musique. C'est ma musique préférée de FF9. Thank you.
J'adore cette mélodie. Je... Ah, c'est tout critique. Le fameux tout critique. Et en vrai, on n'est pas loin d'un tout critique un peu shiny, hein, parce qu'on est à 9 critiques classiques. En vrai, ça va. Ah oui, il fallait faire des compétences, c'est vrai. Ah, j'ai le tout critique. Merci. Thème des boss. Je suis pas fan de ce thème. Tuer le boss en 30 secondes. C'est un des FF où je suis pas fan de la musique des combats de boss. Je suis vraiment pas fan. Je trouve qu'il y en a eu des largement meilleurs. Par contre, les super, je les enchaîne, hein. Je suis pas dans les pas. Ah non, là, il y aura pas de taux critique. Hein. Je parierais sur une bonne vingtaine de super. Hein. Peut-être même plus. Ouais, non, j'ai une bonne vingtaine, ouais. Entre 20 et 25, je dirais. À vue de nez, comme ça, je... Ça me paraît bien. Et en plus, on a même pas fait la quête. Ah oui, c'était buter le boss. Ah, 26. J'étais pas loin. C'était buter le boss en je sais plus combien de secondes. Ouais, 30. À 3 près. Non, j'avoue, joli, joli. Ça, je suis pas fan non plus. En fait, c'est toutes les musiques de gros boss ou musique de boss, musique de boss de fin, etc. Je suis vraiment pas convaincu dans ce FF. Tout le reste, j'adore les musiques, mais ouais, les combats de boss, je suis pas fan. Le boss c'est lui-même. En lui-même a l'air stylé. Gouja ouais je. J'ai jamais été un grand fan de Gouja. Après j'ai vu que le chibi, oui c'est vrai. Elle dure de plombe celle-là.
Pas sûr, même pas sûr qu'on le voit là, Quidja. Je serais même pas étonné qu'on le débloque une fois qu'on a fini les musiques. Si on le voit. Quidja en forme trans. Ces moments de ballerine. Mais ouais, Quidja, j'ai jamais été un grand fan. Je crois que j'ai des artworks de lui, j'en ai débloqué sur le jeu. Pire, je montrerai un artwork qui le met un peu plus en valeur, mais ouais, je suis pas convaincu personnellement. Allez, avant-dernière. Darkness. Ah, on a une note 99. On va mettre au rond. Tellement badass son. Ah oui. Clairement. Tiens, on va mettre l'eau au vent. De FF7. Pub, ça faisait longtemps. Ah bah, bonne pub. Et merci pour l'argent. Ah, si seulement. Ils ont bien fait la zone de combat. J'aime vraiment pas cette musique. J'ai glissé.
Ah, je suis beaucoup moins hypé sur celle-là. Clairement moins. Je n'ai que 3 début de live. Oh, ça va. C'est Yura qui tank les pubs en ce moment. J'avoue que... En ce moment, Yura il bouffe, hein. Allez, du coup, la dernière de FF9 dans la série. Il me semble qu'il y a des DX là-dessus. Sur celui-là. De toute façon, il y aura la cinématique à la fin. Ah. Celle-là. Je vois. Musique du générique de fin. Enfin, des cinématiques de fin. Si je me souviens bien. On dirait tellement un début de Mario Galaxy. On aura fait deux, ouais, au moins deux super, donc là. C'est un peu musique de Conan ça aussi, pour le coup. Je n'ai aucune depuis des semaines. Ouais, Iseline, va falloir regarder des pubs là, c'est quoi cette histoire là? Genre, Iseline ne rapporte plus d'argent, c'est quoi ce problème là? C'est quoi cette histoire? Depuis le live stray. Ah oui, ça commence à remonter, oui. Bon bah voilà. Niveau réussi, fait titre réussi. Bon. Oh bon, on va jouer deux fois d'affilée la même. Hein. Ah, on a coup de jab, mais on n'a pas en version trans, d'accord. On l'a en version normale. Allez, FF9. Ah non, il n'y avait pas de DX. Ah si. Faire la DX, on se finira avec la cinématique et on partira gentiment sur une fin de live, tout simplement. Thank you.
Bon bah ça sera pas un tout critique. Ah, je sais, je rapporte plus rien. T'as bien quelle idée. Bon, après, ça va, tu sub, c'est bien. Ça rattrape. Ça va. Et du coup. Cinématique de FF9. Let's go. Dernière mélodie que l'on se fait ce soir. Un gros plan de Kuja. Oh, cette cinématique. Je me souviens de celle-là. L'invocation d'Alexander. Pop, 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 pop. Rattraper sur Diablo. Ah ben en même temps c'est pas compliqué. Alexander, l'invocation d'un pot. Ah non, pas ce Alexander là. Bon bah ça nous ferait un petit 109 000 points pour aujourd'hui, on est bien. Aïe aïe.
Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, on va s'arrêter là, comme je le disais. Ah, est-ce qu'on se débloque en FF? Comme ça, on sait ce qu'on fait la prochaine fois. On va faire ça. Bon, on va débloquer un plus ancien, je pense. Dans les 2D, il nous reste le 6, le 4 et le 1. Je dirais bien le 6, comme ça on va les débarrasser. Je sais que ça va en faire criser hein, tous les puristes et compagnie, mais le 6, qu'est-ce qui me saoule, moi, perso. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Hein. Je suis vraiment pas fan de FF6. Mais du coup, voilà. Ça, c'est ce qu'on fera la prochaine fois. Et bien merci à tous d'être venus ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Du coup, petite découverte de la bêta Diablo 4 qui a été terrible en termes de logistique. Mais au final, on a quand même passé une bonne soirée. Et une petite fin de théâtrisme, parce qu'on est bien, parce que voilà, je veux dire, regardez-le bien. Donc on continuera ça la semaine prochaine, tout simplement. Demain, on se retrouve pour du Saints Row. Parce qu'il n'y a pas de raison, et que voilà, en espérant que ça se passe mieux que ce soir, qu'on arrive enfin à jouer. Ce serait bien. Plus de bugs, qu'on puisse le finir ce putain de jeu. Ce serait pas mal. Mais enfin. Merci à vous d'être venus ce soir, j'espère comme je dis que vous avez passé une bonne soirée. On se donne rendez-vous demain soir pour de nouvelles aventures, d'ici là, portez-vous bien. Que la funk soit avec vous les amis. Ciao, ciao.